Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va impeccable, j'ai passé un trop bon week-end en famille, on se ressource, ça fait trop de bien. J'espère que pour vous aussi ça va. Ah mince, j'ai re les yeux bleus, bon c'est pas grave. C'est mon téléphone, j'ai repris le téléphone parce que franchement la cam ça allait pas du tout. Il fallait acheter une lumière en plus, il fallait acheter en plus un micro. Donc je réessaye avec mon téléphone. Normalement on devrait tous se voir. Voilà. Donc on va se faire les énergies, on va regarder les énergies pour la semaine. Le dimanche soir j'ai envie de regarder les énergies pour la semaine. On va voir si on a une semaine plutôt cool, très positive ou négative. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc pour la semaine on va se prendre le tirage central pour un petit peu tous les domaines, d'accord. On va prendre toujours pareil la petite poupée rose. Donc pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, quand je fais ce tirage là, on a une ligne à interpréter qui concerne le domaine de la santé. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas écouter, lorsque je montrerai la poupée, ça voudra dire que j'interprète le domaine de la santé. Vous pourrez baisser le son ou enlever le casque pendant ce passage et nous retrouver pour la suite lorsque je vous l'aurai indiqué. Je vous dirai tout pendant lorsque j'arriverai sur cette fameuse ligne. Donc on fera le tirage avec l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse avec l'oracle de l'âme. Voilà. Vous poserez une question et on regardera la réponse qui est associée. Voilà. J'ai retrouvé mon téléphone, je suis redevenue moi-même. Je suis moins perturbée qu'avec la cam. J'y arrive pas avec la cam. C'est comme ça, on a nos habitudes, on ne les a pas. Donc c'est parti. On va mélanger le jeu et on va se faire donc le tirage central. Donc on va voir plusieurs domaines. L'amour, le travail, la santé et le relationnel et le familial. Ah ben voilà, au moment où je dis ça, j'ai la famille qui a sauté. Ah, ça risque d'avoir une place importante peut-être cette semaine au niveau familial. Allez, je prépare devant vous, je ne le fais pas à l'avance. On va prendre les 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est bon. Attends, je les place. Allez, c'est parti. Donc on va regarder la carte centrale déjà au niveau du jeu. La carte centrale va annoncer un petit peu la couleur de tout le tirage. Ça va annoncer la couleur de la semaine par rapport à l'énergie en fait. Parce que c'est celle qui croise tous les tirages. Alors c'est parti. Ok. Je vais en mettre une autre dessus. On a la carte du consultant. Donc cette semaine, tu vas être directement concerné par le tirage. Tout ce qu'il y a autour, tout ce que l'on va dévoiler, tu es au centre du tirage. Donc je pense que cette semaine, tu vas être au centre de tout ce qui va se passer. Tu seras directement impacté. On va essayer de recouvrir cette carte quand même. Ok, regarde ce qui a tombé. Le changement. Donc tu es directement concerné par ce changement. C'est un changement qui se met en place pour toi, rien que pour toi, uniquement pour toi cette semaine. Donc on est plutôt pas mal. Je sais que si vous êtes là à regarder la vidéo, logiquement c'est que ce changement vous le voulez. Donc voilà, il est là. Donc on est peut-être arrivé à la porte, ça y est. Allez c'est parti, on va interpréter la ligne du domaine sentimental pour cette semaine. Séparation, changement, consultant, miroir magique. Oh, pour ceux qui me connaissent, c'est la meilleure carte du jeu. Celle-ci m'indique en général que vous arrivez à un nouveau cycle de votre vie, un changement total dans votre vie. Elle m'indique aussi que toute la négativité, parce que cette carte annule toutes les cartes négatives du jeu, pour le moment on n'en a pas. La séparation n'est pas forcément une carte négative, je vais développer ce que je ressens parce que je ressens plein de choses, mais cette carte-ci vraiment vous indique que le plus gros est passé, le plus dur est passé et maintenant vous allez que sur de la nouveauté, vous allez enfin pouvoir respirer, vous allez sur de la positivité. Donc tout ce que vous avez eu jusqu'à présent, logiquement à partir de maintenant, devrait être derrière vous. C'est la carte, la meilleure carte du jeu. Voilà, tous les espoirs sont permis, me dit-on. Donc, séparation, changement, miroir magique, renouveau. La séparation peut être une séparation physique. Ça peut être pour les personnes qui sont en cours de divorce où le divorce va être enfin prononcé. Cette séparation va être enfin prononcée. Vous pourrez enfin
tourner cette page et aller sur le nouveau départ que vous souhaitez dans le domaine sentimental, j'allais dire professionnel, dans le domaine sentimental, d'accord? Donc la séparation peut être complètement voulue par rapport à vous qui regardez la vidéo, ok? On a cette séparation qui se met en place. La séparation peut être aussi le fait, avec cette meilleure carte du jeu, on peut se séparer d'une situation relativement négative, il y a un changement qui se met en place, peut-être que jusqu'à maintenant on n'osait pas s'investir dans le couple parce qu'on avait peur, peut-être qu'on ne voulait pas se marier, peut-être qu'on ne voulait pas d'enfants et on voit du coup que cette négativité reste derrière et qu'il y a du changement positif qui est en train de se mettre en place. Pourquoi je dis changement positif? Parce que cette carte est la meilleure carte du jeu, elle apparaît en dessous du changement, donc on voit que le changement qui se met en place est un changement positif. Après ça peut être des personnes, voilà, vous êtes peut-être en couple et ça ne va plus du tout avec votre autre. Il y avait une décision à prendre et on voit que peut-être il y a une séparation dans l'air, que vous allez prendre votre décision. Je dis peut-être, pourquoi? Parce que moi, c'est pas à moi de décider. Moi, je peux vous dire qu'il y a une séparation, il y a un divorce, mais si vous ne le mettez pas en place, voilà, ça c'est à vous de voir. C'est pour ça que je mets le mot peut-être. C'est une possibilité si vous le décidez. On voit qu'il y a un changement qui se met en place et il se pourrait que cette semaine ou dans les jours à venir, vous preniez enfin votre décision. Voilà. Pour les personnes célibataires, ça peut nous parler justement d'un arrêt de ce célibat avec la carte de la séparation, avec un changement plutôt positif pour vous, donc peut-être une belle rencontre. On n'est pas sur le retour d'un ex-partenaire pour les personnes qui attendent le retour d'un ex, d'accord? Pour le moment, on est vraiment sur une nouveauté très positive dans le domaine sentimental. Donc si vous êtes célibataire, ça peut... Je crois que c'est là qu'il faut regarder. Ça peut annoncer du coup une rencontre, une très belle rencontre dans les jours à venir dans le domaine sentimental. Je mets et j'insiste sur le mot très beau, très très bien, parce que cette carte, comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure du jeu, donc je sais que associé aux autres cartes, c'est pour amplifier, mais du côté positif. Donc la séparation qui apparaît dans le domaine sentimental, vous l'adaptez à votre situation, d'accord, par rapport à ce que vous vivez. Mais cette séparation qui se met en place dans le domaine sentimental, c'est pour aller sur quelque chose de beaucoup mieux derrière, pour un renouveau, un nouveau départ dans ce domaine-là. Voilà, on est bien. Donc, ça va bouger cette semaine. Allez, on va regarder la ligne du travail du coup. Donc toujours au milieu le changement, le retour, le changement et la réussite. Bon, alors la carte de l'examen peut être, donc c'est la carte de la réussite, hein, on voit qu'ils ont réussi l'examen final, d'accord, mais ça peut être aussi la carte des formations, l'école, l'apprentissage, d'accord. Avec la carte du changement qui est au milieu du jeu par rapport à toi qui regarde la vidéo, le consultant, ok, on voit un retour, peut-être un retour sur les bancs d'école, un retour sur une formation, on a quelque chose du passé qui revient sur le tapis, donc peut-être un premier souhait professionnel qu'il y avait par le passé, que vous n'aviez pas fait et que vous avez envie de faire maintenant au jour d'aujourd'hui avec... Ah oui, je voulais dire, au jour d'aujourd'hui, ça se dit, hein. À chaque fois, on me reprend. Oui, oui, ça se dit. Au jour d'aujourd'hui. La dernière fois, je l'ai entendu 40 fois à la télé. Ça se dit. Donc, il y a ce changement qui se met en place. Donc, il se pourrait dans le domaine professionnel certains d'entre vous décident de faire une reconversion. D'accord? Il y a peut-être des apprentissages qui vont se mettre en place. Peut-être que vous allez vous inscrire à des formations. Vous allez vous inscrire, vous allez reprendre les cours à l'école ou à domicile, je ne sais pas. Mais il y a un nouvel apprentissage qui se met en place. C'est le chien du voisin, excusez-moi. Il va faire la promenade, il est content. Donc, il y a du changement qui se met en place au niveau professionnel. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y en ait qui aient demandé peut-être au niveau de leur hiérarchie une promotion, un changement de poste par le passé, d'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente de cette nouvelle, on voit la réussite. Hein. Donc il se pourrait que dans les jours à venir, cette nouvelle vous revienne, d'accord? Et elle sera positive avec cette carte-ci. En tout cas, au niveau pro, on a ce changement qui se met en place. Et pour moi, la situation dans laquelle vous êtes actuellement va changer. En positif, toujours pareil, parce qu'on a la réussite. Mais il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Donc, si vous avez envie de cette nouveauté, si vous avez tout fait pour mettre cette nouveauté en place, si vous avez fait des demandes, si vous souhaitez partir sur une formation, on voit dans tous les cas qu'il y a un aboutissement positif par rapport à ça. D'accord?
Ouais, d'accord, j'ai entendu, tu m'as répondu. Allez, c'est parti. Donc, on va interpréter le domaine. C'est plutôt pas mal pour le moment, c'est cool. On va interpréter le domaine de la santé. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas écouter, je vous invite à baisser le son ou à enlever le casque. Lorsque j'aurai baissé la poupée et que je vous aurai fait un petit coucou, vous pourrez revenir avec nous pour la dernière phase du tirage, le relationnel et le familial. Donc, c'est parti pour l'interprétation du domaine de la santé. Déjà, au centre du tirage, nous avons le changement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ou quelque chose qui est en train de bouger. Que ce soit une santé physique ou émotionnelle, on voit du mouvement qui se met en place. Je ne vous montre pas les cartes, hein, pour ceux qui écoutent, pour ne pas montrer à ceux qui sont là qui ont bêté le son. D'accord? Non, c'est pas possible, je ne saurais rien faire d'un bout à l'autre, nickel. Première carte du jeu, vous avez la fécondité. La fécondité, c'est la carte de la grossesse, d'accord? Il y a du changement, donc il se pourrait qu'il y ait des grossesses qui soient annoncées ou que vous appreniez une grossesse cette semaine. Alors attention pour les personnes qui ne veulent pas d'enfants, d'accord? Faites gaffe, parce que au centre du tirage, on a le consultant, donc vous qui regardez la vidéo, qui êtes directement impacté. Donc ce que m'indique là pour le moment la fécondité, c'est que ça peut être vous, ok? Donc pour les personnes qui souhaitent un enfant, il se pourrait que vous appreniez votre grossesse dans les jours à venir. On n'est pas fixé non plus, il n'y a pas de temps, vous le savez, ça peut être cette semaine comme les jours qui suivent, mais on n'est pas loin dans tous les cas au niveau de l'interprétation. Donc il se pourrait qu'il y ait une grossesse là, hein. Il y a clairement une grossesse qui ressort, hein. Bon, j'ai l'échec. Bon, alors attends. Parce qu'on a quand même la meilleure carte du jeu. Bon, il y a un échec. Ça peut m'annoncer deux choses. Par rapport à ce changement, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti au tout début. Pour les personnes qui souhaitent, il se pourrait qu'il y ait cette grossesse qui arrive dans les jours à venir. Pour les personnes qui ne le souhaitent pas, il se pourrait qu'il y ait une interruption du coup de la grossesse. Ok? Parce que ça sera pas prévu. D'accord? Bon. Après, je juge personne, je me fasse pas engueuler non plus dans les commentaires, j'y suis pour rien. Et puis de toute façon, chacun choisit ce qu'il souhaite, d'accord? Mais on voit des grossesses, en tout cas, c'est le plus gros au niveau de la santé, c'était santé, c'était le message que je devais apporter, c'est au niveau d'une grossesse. Acceptée ou pas, d'accord? On voit des cartes positives, on voit des cartes négatives, mais pour certaines, là je vais le dire, parce que c'est les femmes, certaines d'entre vous, il se pourrait que de ce côté-là, il y ait du changement à venir, que vous le souhaitez ou que ça soit imprévu, on voit une grossesse, d'accord? Donc voilà. Voilà, j'ai terminé pour le domaine de la santé. Vous pouvez revenir avec nous. Donc, on va interpréter maintenant la dernière ligne du tirage, donc le familial et le relationnel. Évolution. Changement. Décision, choix, éloignement ou rapprochement. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. En tout cas, je pense qu'il va y avoir du changement dans l'air, il va y avoir du mouvement au niveau familial et relationnel, peut-être du tri, peut-être un nettoyage, peut-être que vous allez décider de couper les ponts avec certaines personnes qui vous sont toxiques, peut-être que vous allez décider de renouer des liens avec des personnes avec qui vous étiez éloigné et finalement, ben, vous avez envie de vous réconcilier. En tout cas, on voit de l'évolution plutôt positive pour vous dans le domaine relationnel et familial. Je pense que avec cette carte-ci, vous voyez, il y a plusieurs directions. Et moi, cette carte Ceci, elle m'a de suite fait penser à un tri sélectif, j'ai envie de dire, ouais, comme un petit nettoyage. Vous voyez, par exemple, sur Facebook, sur les réseaux, voilà, on va dire sur les réseaux, mais en vrai aussi, je pense que là, vous en êtes rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient plutôt toxiques pour vous ou qui ne vous aidaient pas à votre évolution, qui n'étaient pas nécessaire à votre évolution, et je pense qu'il va y avoir un tri qui va être fait peut-être dans la semaine ou dans les jours à venir. En tout cas, au niveau relationnel et familial, c'est plutôt positif, on voit pas de gros clash non plus, on voit que ça va se faire plutôt calmement, d'accord? Il y a une évolution qui se met en place pour vous. Il se pourrait aussi qu'il y ait du changement, donc il se pourrait qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie au niveau relationnel. Il se pourrait que vous fassiez de nouvelles rencontres qui soient plutôt positives pour vous par rapport à votre évolution, des personnes qui vont vous tirer vers le haut. En tout cas, c'est pareil, avec cette carte du changement et cette carte du carrefour,
On voit quand même du mouvement qui va se mettre en place et on voit que vous allez commencer à vous éloigner de personnes qui ne vous aident pas sur votre chemin. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous allez annoncer des choses que vous allez mettre en place, notamment peut-être au niveau professionnel, des reprises d'études ou une formation, une reconversion. Et vous allez voir que les personnes qui ne vous aident pas ou qui ne vous tirent pas vers le haut ou qui sont plutôt réticentes à vos projets, vous allez les écarter, peut-être vous allez vous en éloigner. D'accord, voilà. Ça peut nous parler aussi d'une introspection par rapport à vous. Peut-être que vous allez vous mettre un petit peu en retrait ou en repli. J'ai pas la carte de l'enfermement qui ressort, mais c'est un petit peu ce que je ressens aussi. Il y a des décisions qui vont être prises et vous décidez un petit peu de vous mettre en retrait et vous savez que ça va être nécessaire par rapport à votre évolution. Vous avez peut-être envie de réfléchir et cette réflexion, vous avez besoin d'être seul pour pouvoir la prendre. Donc on voit quand même du mouvement, mais plutôt positif pour vous, vous voyez. Et comme je vous ai dit, je vois pas de déchirement, je vois pas, ça va se faire plutôt dans le calme. Peut-être que vous allez, au lieu d'appeler tous les jours quelqu'un, vous allez mettre un petit peu plus vos distances, mais cette personne ne va pas vous ennuyer non plus. Donc c'est plutôt bien. On voit de l'évolution positive côté relationnel et familial. On voit du changement qui se met en place. Donc ça va peut-être bouger. Vous allez faire peut-être de nouvelles connaissances. Il y a peut-être des personnes aussi du passé qui vont peut-être revenir dans votre vie. Il y a peut-être des réconciliations. On est plutôt sur quelque chose de très positif cette semaine au niveau relationnel. Voilà. Bon. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Mis à part ce domaine de la santé, d'accord, c'est pas négatif en soi, ce sera des réflexions, voilà. Je peux pas trop en dire, je peux pas trop faire la synthèse sur cette ligne-là, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu écouter. Mais que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel et familial, la carte centrale est le mouvement et le changement qui commence à se mettre en place pour vous. Alors après, le changement, lorsqu'elle ressort comme ça, hein, je vous explique, hein, quand les cartes sortent de ce côté, on voit que c'est le printemps-été. Quand ça sort de ce côté, on voit que c'est l'automne-hiver. Mais là, on a les quatre saisons qui sont ressorties sur la consultante. Donc pour moi, ça peut, ce changement peut mettre peut-être une année, voilà, à partir de maintenant, de septembre à septembre de l'année prochaine, à se mettre en place. J'ai pas dit que ça va commencer en septembre 2021, d'accord. Ça va se faire peut-être entre septembre 2020 et septembre 2021. Tous ces 12 mois vont vous permettre d'évoluer et de mettre votre renouveau en place, d'accord. Par exemple, moi, aujourd'hui, je vois ma situation aujourd'hui. Si je regarde un an à l'arrière, je ne pensais pas du tout en être là où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ça ne va pas se faire dans un an, ça va se mettre en place sur un an. Voilà, là, on est bon sur l'interprétation. Voilà. Bon, écoutez, on a une semaine plutôt pas mal, une semaine avec du mouvement et du changement qui se met en place, donc ça c'est plutôt bien, je pense qu'il est voulu, parce que ça ressort quand même sur le consultant, je pense que ce changement est voulu, donc si vous vous êtes retrouvé dans ce tirage, j'ai envie de dire que c'est plutôt une semaine très positive. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je vous invite à poser votre question. Moi, je vais tirer le message. Et pour les personnes qui n'ont pas de questions, vous pouvez juste écouter le message associé. Ça peut vous apporter une petite réponse par rapport à une réflexion que vous avez. Allez, c'est parti! Ah, je suis contente d'avoir trouvé mon téléphone. Je suis plus à l'aise. Bon, allez, il y en a deux qui ont sauté. Je vais prendre celle-ci. Donc, on te dit la vérité. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le. Quel soulagement. La vérité. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le. Quel soulagement. Donc, peut-être qu'il y a des non-dits par rapport à ta question. Peut-être que tout n'est pas sorti au grand jour. Il y a peut-être des secrets. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été révélées. Et peut-être que pour régler ta situation ou la problématique que tu es en train de vivre actuellement, il faudrait peut-être que la vérité éclate ou que toutes les choses soient dites pour pouvoir réussir là-dedans. D'accord? Je vais te montrer la carte. Tu prends si ça te parle. Ah, voilà. Hop. Oh non, c'est à l'envers. C'est à l'envers, non? Oh non. Non, je sais pas. Ben non. Bon, écoute, je te la montre et tu me diras si c'est à l'envers ou si c'est à l'endroit. Oh, ça va recommencer. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, la vérité. Tu vois si ça te parle. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je suis trop contente de vous retrouver. Maintenant, j'espère que ce sera écrit à l'endroit. Hein. Si c'est pas écrit à l'endroit, la dernière fois, ça est tout remis à l'endroit.
Normalement, si, quand ça c'est de ce côté, c'est que c'est à l'ombre. Bon, on verra bien quand la vidéo sera en ligne. En tout cas, je vous fais d'énormes gros 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 bisous à tous. Pour les personnes qui m'ont commandé le jeu, je ne sais pas si vous avez eu mon message la dernière fois, mais du coup, je vous le redis là. Donc, j'ai passé commande auprès de l'imprimeur. Il m'a dit qu'au plus tard, je les recevrai chez moi le 15 septembre. Donc, à l'issue, une fois que je les ai reçus, je vous prépare vos colis et je vous les envoie de suite. De toute façon, je ferai une annonce sur YouTube lorsque je les aurai envoyés. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut !